Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les micro-royaumes. Alors c'est la première hein, qu'on va faire, donc c'est le quatrième passage des failles, donc c'est une autre version, hein, un petit peu plus minimaliste, c'est le cas de le dire, donc avec cet événement sur Ant-Man, la Guêpe et Ghost. Donc quatrième passage des failles, pourquoi? Parce qu'on avait eu une première fois en novembre 2016, pardon, avec Docteur Voodoo et Mordo. Un rerun qu'on avait eu donc 3 mois après, donc en février, avec Dormammu et The Hood, donc deuxième passage des failles. Et on a vu du coup un troisième passage qui était revenu donc 1 an après avec Proxima et Corvus Glaive. Du coup, c'est notre quatrième passage, c'est notre quatrième version des failles. Et même si les butins changent un petit peu, ils sont un peu inférieur en quantité, mais ça va être plus facile, je pense, à obtenir. Et c'est pour ça que je fais d'ailleurs un petit peu de versus feature de 4 étoiles pour pouvoir choper plus de capsules PIM. J'en suis à 1 234 000, donc je suis plutôt pas mal. Et du coup, bah, ça va me permettre d'en ouvrir 5 de ce type-là. Donc, je vais vous faire une par vidéo. Petite introduction faite. Donc, pour ouvrir ces micro-royaumes, il va nous falloir des disques à particules PIM. Et ça, on va aller les acheter dans la boutique avec les. Enfin. Avec. À l'aide des canisters PIM. Et comme vous pouvez le voir, on peut en acheter deux. Donc, je vais en acheter deux. Hein. Mais j'en ouvrirai qu'un, par contre. Hein. Voilà. Et du coup, je vais d'abord acheter ces 5-là. Je ferai ces 5-là. Et dès que j'aurai fini ceux-là, Oui, c'est 5 par case par contre. Oui, c'est beaucoup. Et donc, voilà. Oui. Je vais. Donc, je ferai ces 5-là. Et dès que j'aurai fini ces 5-là, peut-être que j'ouvrirai des héroïques. Peut-être. Mais d'abord, la priorité sera ça. Donc, on va prendre SL. On va enlever Yo Jacket et on va prendre Cable. Voilà. On va essayer de prendre une équipe un petit peu origi enfin pas original mais un petit peu qui est bien balancé au niveau des types quoi. Bien réparti, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc au niveau de l'IP des adversaires, voilà, vous voyez que c'est pas énorme, hein. Enfin, si vous terminez le mode incollectable ou le mode maître, c'est à peu près de ce niveau-là, hein. C'est pas trop trop dur. Ça coûte beaucoup en énergie, par contre, ça c'est sûr. Mais bon, en même temps, ils vont pas nous donner les récompenses, hein. Faut qu'on aille les chercher quand même. Donc c'est à vous de vous organiser selon votre énergie, enfin c'est à vous de vous organiser, mais ça se fait quand même. Hein. Oh dommage, il n'a pas fait de critique. Donc voilà, donc il y aura 5 épisodes hein, qui vont arriver. Alors je sais pas s'il y aura le deuxième épisode, ça sera demain. Je sais pas du tout. Ça, en tout cas, je sais que c'est la vidéo de dimanche. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tourner une autre vidéo. Donc si j'ai pas vraiment de temps, si je me dis que voilà, j'ai pas trop de temps, je tournerai la deuxième micro-royaume et vous l'aurez là. Vous l'aurez demain. Donc le chemin C à 1%, ok. Donc le A, nous avons un coffre 3 étoiles. Donc ça, le A, c'est... Donc un coffre 3 étoiles, c'est 3600 d'éclats de fragments de T2A. Le chemin B, qui est un peu moins rare. Le 4, ça doit être 7200, je pense. Ensuite, on a le C. Donc le C, ça, c'est coffre 4 et coffre 3, donc oui, c'est ça, c'est ça, c'est 7200, et là, du coup, c'est 7200 plus 3600, donc ça ferait 10800. Ensuite, là, le 4% D, le 1 plus 1, ah, ça doit être 4000 éclats 5. Là, ah non, là, ça doit être 2000, enfin, là, c'est des éclats 5, après, hein. Et là, ici, ça doit être 1000, 1000, 2000, ouais, peut-être 4000, je sais pas, il y a un truc dans le genre, hein. Il y a un truc dans le genre. En tout cas, on va voir où on atterrit. C'est le dernier, coffre 3 étoiles. Bon, bah, ça va être 3600 éclats de T2A.
Dommage. Dommage, dommage, dommage. Donc, Modok. Eh bien, on va y aller avec Gwenpool. Dommage. Et bah, on retentera notre chance une autre fois. Il y aura 5 tentatives, donc j'espère au moins avoir une fois un petit peu de chance, hein, parce que c'est vrai que dans les failles, le dernier passage des failles avait été calamiteux, hein, vraiment. Que ça allait pas revenir. Voilà. Ensuite, nous avons. Donc c'est à peu près, en termes d'ennemis, hein, c'est à peu près le même nombre, hein, que dans les failles normales. Je vais devoir utiliser une recharge d'énergie. Fait chier. Fait chier, fait chier. Bah ouais, du coup, je vais enchaîner sur l'autre faille. Ouais, je vais enchaîner sur l'autre faille. Comme ça sera fait, du coup, vous l'aurez demain. Vous l'aurez demain, parce que j'aurai pas trop le temps, comme je vais sur les Champs-Élysées dimanche, j'aurai pas le temps dimanche de tourner une vidéo. Le problème, c'est que si je la tourne lundi, sachant que lundi, je vais aller bosser assez tôt, je pense, pour finir pas trop tard. Du coup, si la vidéo, je vous la fais à 16h-17h, ça va être compliqué. Donc voilà, je vais sûrement enchaîner. Et au pire, si je trouve le temps de faire une autre vidéo, qui sait, peut-être demain, hein, peut-être que demain j'aurai le temps de vous faire une autre vidéo. Si je trouve le temps, bah du coup, vous l'aurez mardi. Mais en tout cas, je pense que la deuxième, vous l'aurez lundi. Donc on prend le petit coffre. Allez, c'est parti. Je sais même pas combien d'énergie. Ça prend 60 énergie, je crois. Ouais, c'est ça. C'est du 60 énergie. Bon, ça va. Hein. Le premier rock, c'est pas trop, trop dur à battre. Hein. Il y a juste là qu'il faut faire attention. Parce qu'il va avoir des fracas tout le temps. Voilà. Allez, on est parti pour le petit téléporteur qui va nous amener vers Ghost. Alors, je peux demander Allez, non. Donc nous avons Ward. Ah non, c'est... J'avais vu Ghost pourtant. Bizarre. J'avais vu Ghost. Hein. Du coup, on va voir ce que la guêpe vaut en termes de défense. Parce que enfin, moi, j'ai l'impression que ça peut être pété. Hein. Après, à voir. Hein, mais moi, je pense que ça peut être pété. On va voir ce que ça donne. Allez, on monte nos âmes, tranquille. Enfin, nos esprits des morts, plutôt. Ah, mince! Je voulais le lâcher, mais je me suis foiré. Dommage. Bon, je m'amuse, hein, je m'amuse. Et là, on va la déglinguer. Enfin, on va le déglinguer. Voilà, petit 15 000, hein. Tranquille. Tranquille, petit 15 000. Sans problème. C'est abusé. C'est abusé, là, comment c'est... C'est puissant. C'est abusé. Alors, qu'est-ce que la guêpe va nous proposer? Donc, gain de pouvoir... Ok.
25. Ah, c'est 25% de rapetisser et de contre-attaquer? Parce que c'est du 8% de base. Ouais, ouais. D'accord, parce que dans le spotlight, ils avaient dit que c'était... Ah non, c'est pas... peut-être parce que c'était le... Peut-être parce que c'était le 4 étoiles, alors que là, c'est un 5, donc le 4, ça doit être bloqué à 20%, et le 5, ça monte à 25%. Ah, c'est dès qu'elle est éveillée, par contre. Hein. C'est énorme. Et donc, le temps est réduit de 28% 64, donc c'est pendant 8 secondes. Ah oui, de plus, la contre-attaque se désactive pendant 10 secondes. Donc là, ça veut dire que ça va se remettre au bout de 7 secondes. C'est abusé. C'est abusé. Eh ben, on va tester. On va voir un peu. On va voir un peu ce que ça donne. Hein. De toute façon, on n'a rien à perdre. Hein. On n'a rien à craindre. C'est juste pour voir. C'est pour voir ce que ça donne un petit peu. Voilà, c'est ça. Et là, elle peut me contre-attaquer. Ah ouais. Donc là, il y a un temps de recharge. On va regarder si... Si elle fait ses spé, le temps de recharge est réinitialisé. D'accord. Bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais en tout cas, ouais, on a vu que ça marchait bien, que ça nous mettait une grosse décharge. Enfin, une grosse décharge. Là, c'était un petit niveau. Mais ouais, ça met une bonne petite décharge. Ah, c'est 500 éclats 5 en plus. C'est pas mal du tout, ça. Et donc, 3600 éclats d'Alpha 2. Voilà, bah en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve du coup dans les jours à venir, si, soit demain, soit après-demain, pour le deuxième micro-royaume. Voilà, allez, salut, à la prochaine.